Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de l'agenda 2021. Je suis trop contente de pouvoir vous le présenter. Comme je vous ai dit, je l'ai reçu ce matin. Donc voilà, alors la couverture, elle est super jolie. Alors, je m'excuse d'avance, j'espère que je ne bougerai pas trop parce que, comme je vous ai dit, j'ai laissé mon trépied à Paris. Donc il faut que je filme d'une main et que je vous montre l'agenda de l'autre main. Donc voilà, donc, toujours le petit élastique, cette fois-ci il est bleu. Si je ne me trompe pas, il était rose, je crois, sur l'autre, rouge. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc bah, toujours la première page cartonnée. Bien solide et voilà, c'est parti. Je vais vous montrer peut-être plus en blabla que mettre une musique de fond. Hein. De toute façon, je vais essayer de vous montrer un maximum. Donc les feuilles, je suis pas sûre, mais j'ai l'impression qu'elles sont. Enfin non, peut-être pas. J'allais dire que j'avais l'impression qu'elles étaient plus épaisses que l'autre d'avant, mais non. C'est juste que je suis sur l'éphéméride et du coup, je confonds. Donc voilà, ça c'est les feuilles d'origine. Donc là vous avez les premiers petits colos qui arrivent. Ensuite à celle-là, elle est super. Je trouve. J'adore Alice. Donc voilà. Alors à partir de septembre, bah, il y aura plus de vidéos. Parce que en fait, bah, mes enfants, il y en a deux qui vont en internat. Une qui rentre en sixième, donc du coup, je vais avoir un peu plus de temps pour vous faire des vidéos bah, tuto sur le scrap, tuto dessin, perles. Je vais essayer, ça c'est pas évident. Maintenant, je pense que je vais avoir beaucoup plus de temps pour moi m'occuper de ma chaîne. Donc voilà, j'espère que je vais pas trop vite. Celui-là, elle est super aussi. Je trouve que le cadre de papier est de très bonne qualité. J'espère que peut-être que l'aquarelle peut passer dessus. Il faudra que je teste. Hein. Parce que oui, effectivement, j'ai pas fini l'agenda 2020. Mais moi, personnellement, c'est plus une collection. Donc même si un jour je le finis pas, ben, c'est pas grave. Il fait partie de ma collection. Et je voulais pas le louper. Donc voilà. J'attends encore des bouquins. J'attends le Midnight Masquerade de Hannah Carson. Oui. J'attends encore quoi? Il y a le nouveau. Zut, j'ai perdu son nom. Si, Clara Markova qui va pas tarder, il me semble. Donc voilà, là bientôt il y aura la vidéo de mes coloriages terminés. Enfin, il y a plus de mystères, hein. J'ai pas encore fini. Il y a beaucoup d'encours en fait. Et donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien les agendas, lesquels colos vous préférez. Et puis peut-être faire un petit colorant chat avec vous sur un colo que vous aimez. Pourquoi pas? Ah, celui-là, il est joli aussi. Ça va, hein, je bouge pas trop, j'essaye. Hop. Oh, Stitch, j'adore Stitch. Je suis en train de le faire sur. Il me semble que c'est les bébés animaux. Le carré art thérapie bébés animaux. J'ai déjà fait tout le fond. J'ai commencé à faire le doudou, il me semble. Bah, je vous montrerai ça. Si j'ai le temps de le finir avant la fin du mois, ce qui m'étonnerait fort, puisque je repars déjà dans 2 jours. Et à Paris, bah, j'emmène pas tout non plus. Enfin, quoique j'en amène quand même. J'aime beaucoup Miguel de Coco aussi. Je l'ai déjà colorié celui-ci. Dans le Art déco, si je ne me trompe pas. Je le trouve. Les illustrations, je les trouve super. Je trouve qu'il n'y en a pas tant d'identiques, voire pas du tout, j'ai pas fait. Peut-être faire la comparaison justement des deux, voir un petit peu. Celui-là, je l'adore. Les 7 nains avec le fond écolier comme ça, j'adore. Donc voilà. Ça se finit bientôt. Hop. Ah, que j'en loupe pas une.
fait, je vais pas y arriver. Voilà. Donc je l'avais précommandé et normalement je devais le recevoir que mardi. Et puis au final, ben, je l'ai reçu là, j'ai été trop contente. Je pensais pas être là quand il allait arriver. Ça allait être ma fille qui l'aurait réceptionné, mais non, au final, oh, il est joli celui-là. Pourtant, je suis pas trop Donald & Co, enfin, Mickey & Co et tout ça, je les ai pas. Je les aime bien en soi, mais à colorier, je sais pas, je suis pas fan. C'est pareil dans les commentaires, j'aimerais bien vous savoir lesquels personnages Disney vous aimez le plus. Ok, ah, je crois que j'en loupe encore une, il me semble, voilà. Désolée pour la luminosité, c'est pareil, il est assez tard, et puis donc il n'y a plus de lumière, et mon téléphone ne veut pas mettre le flash. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Hop, ah, Timon et Pumba, et Simba. Voilà, on arrive à la fin. Je voulais absolument vous le montrer. J'aurais pu le tourner demain, mais non, je voulais absolument vous montrer. Donc voilà, il y a des petits dessins. Là, les 100 dalmatiens. Là, il y a... zut, Belle. Oh, je vais y arriver. La réponse. Là. J'ai perdu son nom. Oh la honte, j'ai perdu son nom. Voilà. Hop, on arrive à la fin. Encore Miguel. Et peut-être une petite dernière. Eh ben non. Donc voilà, je voulais absolument partager ça avec vous. J'aurais pu le regarder ce matin, mais non, je voulais le regarder en même temps que vous en vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous. Je vous fais plein de gros bisous bisous. Like a Hellcat.